tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, ça fait plaisir. Encore un unboxing. Là, par contre, je ne sais pas ce que c'est. J'ai récupéré un colis le dernier coup. Vous avez vu la Krilat 11, bien sûr. Mais il y avait aussi un autre luminaire. Je ne sais pas. Elle m'a dit que c'était un luminaire plus gros. Je ne sais pas. Je l'espère que c'est pas une Krilat 12. Oh, je vous garantis, c'est une Krilat 12. Je me paye un tacos demain. Je vous garantis, c'est un truc de malade. Parce que là, je suis sidéré sur le cul. Bon, bien sûr, on va l'ouvrir. Ça fait plaisir, comme de bien entendu. Franchement, je vous garantis, je suis sur le cul. Puis en même temps, il y a Dorian qui fait non. Troll. Donc du coup, on va pouvoir découvrir ça ensemble. Ça fait plaisir. Je vous garantis, c'était une vengeance personnelle le dernier coup. Mais alors là, par contre, si je découvre une Krilat 12... Pour ma part, j'aurais jamais vu ça de ma part. Parce qu'une Krilat 12, j'en ai vu qu'à un seul endroit. Très rare. Mais bon, ça c'est compliqué bien sûr. Bon, on va pouvoir commencer. Ça fait plaisir. Donc, le colis, il est là. Voilà. Non, on voit même le petit colis des familles. Donc du coup, voilà. Donc, on va sortir le petit. Ouais. Bon, les ouf. On va pouvoir commencer. Par contre, je sens que le carton est un petit peu enfoncé. Ça, c'est pas si grave. Ça se remet proprement. Hein, c'est qu'un carton. Alors, du coup, on va vraiment faire gaffe, hein, bien sûr. Hein, c'est Dorian m'a bien fait comprendre qu'il faut faire gaffe. Non, il y a déjà une étiquette dessus, mais je vois pas. Je vois pas l'étiquette, c'est quoi? Je vois pas. Ah non, c'est pas une étiquette commerciale. Vous voyez, il y a une ficelle par contre. Il y a une ficelle, je sais pas c'est quoi. Par contre, la quantité... Donc on sait que c'est du Philips. Ça c'est sûr. On sait que c'est du Philips. Mais là, par contre, là, je ne sais pas ce que c'est. Il y a un numéro 27. Ah d'accord, ok. Donc il y a le carton qui est pas découpé, on va dire le carton il est désoclé. Donc c'est normal qu'il y a une ficelle. Donc c'est pour ça que ça a enfoncé, ça aplatit tout le bordel. Ok, d'accord, c'est normal. Par contre le carton il est magnifique avec le logo Philips là. Ah, par contre je ne sais pas c'est quel endroit, je pense que c'est cette façon là. Oh la vache. Franchement, si c'est une Krilat 12, ma. Ah, par contre, c'est bien. Je vais retirer le sac, mais en même temps, je me le bloque en dessous. Ah. Bon, bien entendu, à chaque fois, toujours mes merdiers. C'est celui-là que j'aime. Voilà. Voilà. Par contre, c'est la merde, je vous garantis. Ah. Oh, non. Krilat 12. What the fuck. Mais comment que c'est immense le truc, le bateau. What the fucking. Ah oui, non, mais là, ça va dépoter, par contre. Par contre, là... Il y a une ficelle. On dirait qu'il est saucissonné comme un roast beef. Là par contre. Voilà. Oh là là, je vous garantis, c'est une dinguerie. Je vais voir pour la première fois. Déjà la Krilat 11, le dernier coup neuf. J'en ai jamais vu de près. Ça paraît petit, mais la Krilat 12, franchement, là, je vais voir un truc que j'ai jamais vu de ma vie. Une Krilat 12. Oh, wow. Oula, doucement. Wow. Ah ouais. Là. Oh la vache. C'est un truc de malade. Il y a même la poupoule. La poupoule, on va la voir après.
après. Voilà, donc ça, on va mettre ça. Voilà, on va faire la petite poupoule après. Oh, what the fuck? C'est un truc de malade. On dirait de la mangue, est-ce que tu te rends compte? Oh la vache. Oh, wow. Elle est lourde par contre, la mémère. Elle est lourde. Allez, vas-y, descends. Allez, tu veux descendre le carton? Allez, vas-y. Allez, vas-y. Non, tu veux pas? Tant pis. Oh. Même le carton est tout seul. Voilà, ma canette qui est vide, que j'ai bu tout à l'heure. Wow. Oh la vache. Oh. Un petit peu dégueulasse. Bon, ça c'est normal, hein. C'est l'humidité et la poussière. Mais elle est toute neuve. Oh. Le bleu, la couleur martelée, ça se voit, c'est la... Ça s'appelle comment de... j'arrive pas à y croire. J'ai une Krilat 12. Bah, après, je m'en foutais qu'elle soit neuve ou pas neuve. Mais oh, c'est quand même assez... Franchement, je croyais que c'était plus gros que ça, une Krilat 12, mais en fait, je suis un peu déçu. Bon, vous allez me dire, bah, t'es con, en fait, de dire que t'es déçu. Mais... Une Krilat 12, pour info, c'est aussi grand qu'une VM2. C'est what the fuck. C'est impressionnant. C'est waouh. Je ne pensais pas ça du tout. Alors, bien sûr, on va regarder l'appareillage. Oh, ce serait une dinguerie. Franchement, j'ai hâte de voir. Voilà. Par contre, là, c'est hyper long à ouvrir. Voilà. Je sais pas ce que c'est comme ballast, là. Alors, ah mais en plus il y a plusieurs... Ah voilà. Ah chien, un ballast PF... BF400. Un ballast BF400. Il est magnifique. Oh là là. Avec le petit condo plat traditionnel, regardez, j'aime bien comme ça. Voilà, petit condo plat des familles. Ça fait plaisir. Franchement, j'ai jamais vu même avec les petits... Les visseries sur le bout. Les condos comme ça. Mais c'est un truc de what the fuck. Waouh. Là, c'est un truc de ouf. J'ai jamais vu ça de ma vie. Mais alors là... Là, je peux dire j'ai tout vu, j'ai tout vécu. Mais alors là, par contre, ça, j'étais pas prêt. Par contre, là, je fais gaffe. Je vais pas niquer les vis. Parce que là, j'ai pas envie de niquer la vis. Voilà. Par contre, le truc est très dur. Voilà, comme ça. Voilà. C'est un truc de what the fuck. Déjà, je connais un peu le réflecteur, le système du réflecteur. Mais... ah, j'ai regardé la poupoule. Voilà. Alors, la poupoule. Chienne poupoule. Apparemment, le carton n'est pas d'origine. C'est la même qu'on avait vu dans le dernier coup. Elles sont belles. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Donc c'est fait 11. Ouais. Ouais. Ça fait 9 ans. Waouh. Elle est magnifique. Elle est magnifique la poupoule. Elle est belle. Non, franchement, j'adore. Ça se voit, c'est bien des lampes des années 80. Par contre, le logo, il est vraiment vieux, par contre. Alors, du coup, on va mettre la poupoule là-dedans. Voilà. Par contre, là, la personne a mis un scotch dessus. Ça va, ça se barre facile. Ça se barre facile, ça va. Oh, j'ai hâte de nettoyer ça proprement et de dire... Et je couche en pâte terre. Alors par contre, c'est ça qui est chiant, il n'y a aucune notice de montage.
Ça, j'aurais bien voulu voir une notice. Par contre, ça, c'est chiant. Les douilles, le grand. Bon, c'est neuf. Ah, doucement, doucement. Par contre, c'est chiant. Voilà. Voilà, oh, je m'en dirais un VM3. Bon, c'est tout neuf, c'est beau. Waouh. Franchement, je pensais pas voir ça un jour. Certains, c'est une dinguerie. Le réflecteur est brillant, tout est neuf. C'est. Alors franchement, vous allez me dire, ouais, mais bon, c'est qu'un luminaire neuf, c'est pas grand-chose. Vous savez que ça m'apporte beaucoup de choses quand même, ce machin. Franchement, c'est magnifique. Oh, wow. Alors là, franchement, j'ai jamais vu ça. Alors on va peut-être se faire le petit bilan. Hein. Oh. Oh. Là, on va reprocher par contre, là, cette fois-ci. Oh, putain, le bordel. Je vous garantis, c'est une dinguerie à chaque fois, le bordel. Dès qu'on ouvre un carton, c'est bordel partout. Franchement, c'est un truc de what the fuck. J'ai jamais vu ça. Alors, pour info, je pensais pas un jour récupérer une gamme complète en l'espace d'un an. Hein, quand même. J'ai récupéré... Non, c'était la semaine... L'année dernière, j'avais récupéré justement la... La Krillade 10, hein, on le sait très bien. Le problème dans l'année dernière ou en début d'année, je ne me rappelle plus. Bref, j'ai récupéré des Krillade 10, j'étais hyper content. Mais quand je vois avec le recul que maintenant j'ai la 11 et la 12, ça me fait encore une gamme complète. C'est un truc de malade. Peut-être qu'un jour je trouverai peut-être des Marina 12, hein, ça peut être bien, des Marina 10, 11 ou 12, 9. Bon, ça on va pas y croire non plus. Mais je ne pensais pas, il y a quelques années en arrière, on m'a beaucoup dit « Ouais, ce qui te manque, la collection, c'est de l'acrylate. » Eh ben, en fait, maintenant, j'ai la gamme de l'acrylate complète. C'est un truc de what the fuck, je ne pensais pas ça de ma vie. On en apprend tous les jours, on en récupère n'importe quand, n'importe comment. Mais là, franchement, c'est une dinguerie, c'est une tuerie, parce que je ne pensais pas du tout récupérer ça. Mais alors là, je vous garantis, c'est une dinguerie. Donc là, maintenant, ça fait plaisir. J'ai la gamme officiellement de Krillate qui est terminée, qui est on va dire finie, choose goodbye. Donc là, franchement, enfin, un truc de mes rêves de fête, donc là, des Krillate. En plus, ces Krillate 10 sont en très bon état, donc du coup, ça va, c'est pardonnable, même s'ils ne sont pas trop neufs. Mais franchement, là, j'ai réussi quand même à faire une nouvelle gamme que je ne pensais pas récupérer il y a quelques années en arrière. Même il y a 3-4 ans, j'en avais pas de Krillate du tout. Et là, on se dit, oh, bah, c'est une dinguerie, il a complété ça en une journée. Franchement, c'est une dinguerie. On va pouvoir se laisser là-dessus, ça fait plaisir. Oh, c'est une dinguerie, je vois la machine à côté de moi. C'est une grande dinguerie. On se retient quand pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... Oh, c'est impressionnant. Hein. Un fait pas faux.